Vendredi 30 décembre, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live Télévision. Ce matin, nous recevons Placide Nzilamba. Je vous rappelle qu'il est membre de la société civile au Nord Kivu. Nzilamba, bonjour et meilleur vœu. Merci pareillement. Alors, Nzilamba, nous apprenons aujourd'hui, vendredi, qu'il y a eu reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans les retours précisément à Bweza, à environ 15 km de la cité de Kiwanja, de Kichanga, pardon. Qu'est-ce que nous devons retenir, M. Nzilamba, par rapport à ces nouveaux affrontements qui se déroulent ce matin, vendredi? Il faut dire que l'ennemi est en train de poser ses derniers gestes avant sa disparition. Et à notre niveau, c'est que l'ennemi avait renforcé depuis le début de la semaine ses positions à l'intérieur du parc national de Virunga, vers le volcan Nyamulagira, et même dans la chefferie de Buito, afin de consolider toutes les positions qu'il a déjà conquis. Alors, c'est lorsqu'il a reçu encore un coup de revers, il a reçu la défaite au niveau des Kalake et ailleurs, il est parti maintenant tenter encore une nouvelle aventure vers Bouiza. Bouiza, c'est vers la limite entre Massisi, donc la chefferie de Bachali, et la chefferie de Buito. C'est là où il est parti tenter une aventure ce matin, mais il est en train d'être contenu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous avons appris au-delà de ça, hier jeudi, il y a eu des affrontements entre les groupes d'autodéfense et les M23. On parle d'un bilan lourd infligé aux rebelles du M23. Effectivement, parce que tout simplement, ces techniques, ces velléités ont été déjà bien cernées par toutes les forces en présence. Et donc aujourd'hui, le M23 ne peut pas continuer à défier les gens comme il veut, comme s'il en a le monopole. Donc hier, il a subi, en tout cas, de lourdes pertes qui font la haine dans des familles rwandaises où il y a beaucoup de deuils ces derniers temps. Parce que tout simplement, organisé dans des familles calmement pour ne pas étaler cette honte à la place publique. Vous savez que ces gens-là sont sous un royaume. Un royaume en tout cas coriace qui les impose même de ne pas pleurer même si on vous a blessé. Donc il y a des deuils qui s'organisent dans des familles là-bas calmement parce que leurs enfants ont été amenés à la guillotine ici en République démocratique du Congo pour des causes inavouées et personnelles et même farfelues. Des rebelles tués, neutralisés au Congo, mais les deux au Rwanda. Et effectivement, ils ne sont pas congolais. Oh. Oui, ceux qui sont des Rwandais. Vous pensez que c'est quoi? Donc, je vous ai déjà dit que le M23 est constitué à 60% par des Rwandais, 30% des Ougandais et 10% des naïfs congolais qui sont à la recherche de quoi manger. Ah. Oui. Mais ils ont subi la rigueur de la loi et ils voulaient tenter l'aventure. On les a bien, en tout cas, saccagés, anéantis. Mais nous pensons que même des familles rwandaises devaient déjà commencer à dire à leurs gouvernants qu'il ne faut pas amener leurs enfants au Congo parce qu'il n'y a pas de raison pour venir faire la guerre ici au Congo alors que nous sommes voisins. Alors, Nzilamba, qu'est-ce qui explique cette détermination, cette résistance des jeunes d'autodéfense dans les Rutshuru et Masisi comme ça, qui font face aux rebelles du M23? Bon, la détermination, c'est que l'article 63 de la Constitution lui-même nous garantit de faire échec à tout mouvement et toute personne qui viendrait porter atteinte à la sûreté intérieure ou à l'intégrité du territoire national. Donc, c'est notre Constitution qui nous le garantit et le chef de l'État n'a fait qu'ajouter un tonus en demandant la vigilance de tout le monde et la vigilance comprend aussi cette manière de s'organiser pour faire échec à ce mouvement rwandais qui vient encore en dehors les familles congolaises. D'accord. Alors, Nzilamba, il y a quelques jours, nous avons participé à la cérémonie
où le M23 a remis Kibumba entre les mains de la force de l'EAC. Parle-nous, aujourd'hui, vendredi 30 décembre, qui occupe Kibumba? En tout cas, le M23 n'a cédé que les positions qui se trouvent dans le parc national de Virunga, non pas cédé Kibumba. Ça, il faut le dire vrai, ils ont cédé la position de trois antennes et au niveau de la commune rurale de Kibumba. Donc c'est là où il n'y a pas de gens. Les antennes se trouvent pratiquement dans le parc. Même s'il y a des discussions sur des limites du parc à ce niveau-là, mais c'est d'abord actuellement dans les parcs. Alors la commune rurale aussi avoisine la route qui est la limite entre les parcs et Kibumba. Bon, en tout cas pour nous, ils n'ont rien cédé, c'était une distraction. Mais bon, ça constitue aussi un pas parce que ça montre qu'ils ont compris qu'ils doivent dégager. Pour nous, c'est ça l'interprétation du geste. C'est lui qui avait promis qu'il va leur demander de dégager, a commencé à leur dire de dégager. C'est pourquoi ils ont commencé par ces petits gestes. Alors, nous pensons que cela devait continuer. La pression sur le M23 devait continuer au niveau national, régional et même international pour qu'il cède toutes les entités déjà occupées et que nos populations reviennent rapidement pour préparer la petite saison culturelle qui va bientôt commencer. Est-ce qu'on avait suivi les messages de Kenya appelant les habitants de Kibumba de regagner leur milliers respectifs. Est-ce que les déplacés qui étaient éparpillés dans tous les sites des déplacés de Kibumba, ils sont déjà de retour ou bien ça se passe comment? Non, ils ne sont pas encore rentrés. Ils sont ici. Et le père qui voulait rentrer, ils sont retournés encore. Ils sont retournés encore ici. Ils ont compris que les M23 continuent à commettre des exactions sur la population là où ils sont. Alors c'est pourquoi ceux qui sont partis, d'autres sont rentrés. Il y a même quelqu'un qui est parti, à qui même ces terroristes ont ravi sa moto. D'autres sont fouettés chaque jour. Donc ils ont été obligés, d'autres ont été obligés de retourner. Et nous on a dit que c'était une erreur communicationnelle, parce que tout simplement ceux qui disposent de la latitude de demander à la population de rentrer, ce sont les autorités congolaises. Et ils doivent rentrer lorsqu'on dira que la zone est vraiment favorable à leur accueil. Notamment, on aura déjà attesté que les M23, les combattants du M23, les Rwandais, tous ne sont plus là, ils sont partis. On devait d'abord se mettre d'accord qu'ils n'ont pas laissé des bombes qui peuvent encore tuer la population. Tout ça, les opérations de minage doivent suivre aussi pour nous rassurer que nos populations sont à l'abri de tout danger des bombes ou d'autres explosifs laissés par-ci, par-là, par l'ennemi. Parce que c'est son habitude. Okay. Donc tout ça sont les préalables pour qu'il retourne. Donc c'était donc, d'abord, le M23 s'était retiré sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on devait. Sur les réseaux sociaux. Oui, mais sur le terrain, ils étaient là. Et ils avaient même renforcé les effectifs sur le terrain. Mais ce que nous notons en tout et pour tout est que les messages de leur retrait leur est parvenu et que donc, dans les jours qui viennent, ils doivent partir. D'accord. Oui. Que font les Kenyans à Kibumba concrètement? Nous devons dire que on ne devait pas confondre la force de l'EAC au seul militaire kenyan. La force de l'EAC est constituée par des militaires congolais, ça je vous informe, et le commandant adjoint de cette force, c'est un général congolais. Il y a les Sud-Soudanais qui sont en route, il y a les militaires kenyans, comme vous l'avez dit, il y aura aussi des bataillons de militaires ougandais qui seront là. Donc les Kenyans, non, pas les Rwandais, ne seront pas là, ils vont rester chez eux. Ça c'est déjà acté, ils ont compris, c'est déjà acté. Ils peuvent participer à l'état-major. Il y a des officiers. Des officiers rwandais sont, la tête, hein. sont dans le commandement, dans le headquarter de East African Community. Bon, c'est ça que les chefs d'État se sont convenus, non? Donc nous ne faisons que constater ce que les chefs d'État se sont convenus. Parce que nous, on ne participe pas directement à ces discussions-là entre les États et même entre les forces. Vous comprenez? Nous, on se limite à recueillir les informations au niveau des forces et au niveau des chefs d'État et au niveau de toutes les composantes qui participent à ces mécanismes. Mais la question,
j'essaie de comprendre quelle force se trouve à Kibumba. Là, il n'y a pas la police ni les forces armées de la RDC. Nous pensons que quand ils sont partis à Kibumba, même avec ces deux espaces-là, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, même le gouverneur de province, devait y aller aussi. Vous comprenez? Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Ça aussi, c'est un problème. Vous comprenez? Parce qu'on laisse ça, on dirait aux étrangers que ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour ces gens-là. Non, c'est notre territoire. Et c'est pourquoi même moi, je trouve que ça n'avance pas rapidement parce que nos autorités administratives qui devaient être aussi proches de cette force ne le font pas. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, l'M23 a déjà dit, nous allons partir. C'est déjà des avancées. Et il y a déjà une force qui est déjà à Kibumba. Ce qui devait être fait, c'est que nos autorités devaient suivre derrière. Mais il y a l'M23 qui avait lancé une mise en garde, gouvernement. Ça, c'est une distraction, papa. Ça, c'est une distraction. On ne peut pas limiter une armée sur son sol de ne pas se déployer. Ça, c'est une distraction. Et même dans East African Community, les FRDC sont là. Je vous informe, ils sont là. Vous êtes en train de les voir circuler avec les militaires kenyans. Vous comprenez? Donc ça, c'est une distraction. Et la population a crié à ça. Parce que le M23 s'est joué à la psychologie des gens à travers des communications un peu troublantes. Mais nous savons, dans l'East African Community, les FARDC sont là. Comment encore on va les interdire? Et quand ils ont reçu le commandant force, le commandant adjoint de la force et tous les autres étaient là. Même des généraux congolais étaient là. Bon, quand ils étaient là, est-ce qu'on les a tués? Je crois que nous devons être réalistes. J'ai vu le général Chico, le général Mbangu et les autres. Ils étaient là quand le M23 recevait la première accord. Oui, le commandant force. Bon, est-ce qu'ils sont partis céder? Le commandant adjoint qui est congolais, le général Kaputa, était là aussi. À quoi ils vont refuser? Donc c'était une distraction communicationnelle. Et les gens se sont bernés dans ça. Oh, il y a, avec des communications. D'autres se sont révélés des spécialistes de communication, des guerres, dans leur chambre. Parce qu'il y a seulement un téléphone intelligent, comment s'écrire n'importe quoi. Si les réseaux sociaux. Oui, voilà. Vous comprenez? Se laisser emporter par une communication comme ça, c'est être naïf. La propagande. C'est la propagande de l'ennemi. Non. Ils ne peuvent pas empêcher à aucun même policier congolais de se déployer quand ils vont partir. Parce que partir veut dire laisser aux Congolais leur... Il n'y a pas un espace d'un Kenya ici, d'un Sud-Soudanais. Alors Nos autorités ont commis une grave erreur. Elles devront déjà commencer à se déployer sur ces espaces-là pour dire qu'on ne va pas reculer. Il n'y a pas l'effectif, c'est là-bas. Donc, Adi, mon cher, ça c'est quoi ça? Nous sommes un État... Effectivement, comment? Est-ce que pour que le gouverneur aille à Kibumba, mon frère, pour que le gouverneur et l'administrateur du territoire de Nyiragongo aillent à Kibumba et dire nous n'allons pas quitter ici, ces gens doivent continuer à laisser d'autres agglomérations pour que la force se déploie et que les FARDC s'y déploient. Ça demande quoi? C'est ça la manière par laquelle on devait évoluer. Mais malheureusement, chez nous aussi, on dit, on constate aussi qu'apparemment nos autorités ont peur. Ils ont peur? Non. Est-ce que depuis que les Kenyans sont là, vous avez vu même l'administrateur territoire de Nyiragongo y aller? Avez-vous déjà vu le gouverneur de province y aller? Alors que c'est le seul Congolais. Non, le M23 avait lancé une mise en garde. Non, c'est, voilà des choses qu'il faut dire à la population qu'ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison. C'est la peur chez nos autorités. D'accord. Mais Zilamba, il y a une autre réunion annoncée entre l'EAC et l'M23. Comment comprendre cette multiplicité des rencontres, des réunions entre l'M23 et cette force régionale? Non, c'était décidé dans la réunion des chefs d'état-major généraux. De faire trois réunions? Non. Il y en aura même plusieurs. Ce n'est pas des réunions, ce sont des séances d'évaluation. Vous avez dit que vous allez partir. Vous comprenez? Vous nous avez dit que vous allez partir calmement, il n'y a pas de problème. Mais comment ça évolue? C'est ça. Ça te raconte de leur poser la question, ok, vous cédez quoi encore pour qu'on déploie la force? Vous comprenez? Donc ils ne sont pas... Vous savez, cette guerre, si vous y allez avec beaucoup de sentiments, vous allez échouer. Il n'y a pas de se faire pomba ici. Donc c'est une politique, une haute politique pilotée. Même pas au niveau seulement de la région, même au niveau international. Vous comprenez? Donc il faut jouer à la prudence. Il faut jouer vraiment à la prudence, il faut rester vigilant. Nous, Congolais, nous ne devons pas nous laisser distraire par n'importe quoi et suivre minutieusement ce qui se passe. Vous comprenez?
comprenez? Ce n'est pas question de tic-tac. Non, il faut des étapes. Les chefs d'état-major généraux de la région, donc l'East African Community est en train d'exécuter des ordres. Les ordres des chefs d'état et des chefs d'état de la région et les ordres des chefs d'état-major généraux qui font le plan opérationnel. D'accord. Vous comprenez? Donc dans leur plan opérationnel, ils ont fait ça. Donc, il n'est pas question seulement de dire que les chefs de l'État avaient dit ça ou les chefs d'État avaient dit ça, il faut le faire. Non. Quand ils viennent de donner, par exemple, une injonction, il appartient aux chefs d'État-major généraux d'élaborer maintenant des plans opérationnels. D'accord. Là, ils sont en train de réaliser ce qu'ils se sont convenus avec le gouvernement congolais. Vous comprenez? C'est bon. Zilamba, pour finir, qu'est-ce qui s'est passé à Goma le mercredi? On a parlé, on a vu des avions de chasse survoler Goma et d'autres zones de combat. Et après, on a lu sur les réseaux sociaux, il y a eu certainement des témoignages de la population de Goma qui a accusé et qui a vu d'ailleurs que le Rwanda aurait tiré sur les avions. Malheureusement ou heureusement, l'avion n'a pas été touché. À quelques heures plus tard, il y a Kigali qui a fait communiquer pour accuser le Congo, la RDC, d'avoir encore une fois de plus violé son espace aérien. Hier, j'ai dit dans la soirée, il y a le gouvernement congolais qui a réagi aussi et qui a démenti cela. Relate-nous le mercredi, c'était quoi au juste? Vous, la société civile, au moins, vous suivez de loin et de près ce qui se passe. Je vous avais dit que ceux qui combattent ici sont des Rwandais. Les avions les avaient fait mal à l'aise ici à côté. Et a compris que leurs frères viennent de rester là-bas comme engrais. Ils ont tenté d'abattre les avions en disant que l'avion était sur leur espace. Non, c'était pas vrai? Non, parce que tous ces gens-là qui sont le long du lac là-bas au niveau de l'hôtel Linda à côté, oui, ont bien vécu la scène. L'avion était sur l'espace, c'est là où les avions passent pour venir à l'aéroport. Ouais, la même ligne. Oui, c'est la même ligne. C'est connu que tous les avions qui viennent de l'autre côté, ils passent par là. Ce sont des avions commerciaux. Oui, des avions des Nations Unies et consorts. Oui. Tout se passe par là. Donc c'est une voie par laquelle on passe pour atterrir à l'aéroport de Goma. Nous-mêmes, on y passe à travers les avions. Et du coup, les Rwandais ont tiré. Non, c'était la colère d'avoir attendu que les têtes de leurs frères venaient d'être en tout cas déchiquetées par les avions sur terrain. Et que donc, il fallait tenter de se venger pour créer un incident afin que cet accord-là de Luanda tombe caduque. C'est ça que les Rwandais cherchent dans la stratégie. Vous comprenez? Il faut créer un incident qui va pousser encore à la violence et dire non, nous devons encore renégocier. Vous comprenez? C'est là où ils sont coincés aujourd'hui politiquement et diplomatiquement d'une manière là très farouche. Et même sur le plan de terrain, sur le plan militaire, ils sont coincés. Et c'est pourquoi ils veulent tenter de créer un incident qui va leur ouvrir encore la brèche. Et c'est ce qu'ils voulaient faire avec cet avion. Malheureusement, ils ont tout manqué. Et que donc, malheur à eux, les choses continuent à l'avant vite. Et que donc, ils seront surpris. Ils sortiront même réduits. Ils ont engagé leurs moyens ici, croyant que la guerre va réussir. Ça ne tient pas. Ok. Ils sont bloqués. Et malheur à eux. Qu'est-ce que vous craignez si jamais les Rwandais auraient abattu cet avion, monsieur Zélan? Qu'est-ce qui allait suivre? Parce qu'on a vu, je m'excuse, les mêmes jours, quand la population de Goma a vu ces avions encore survoler Goma, c'était la joie totale. Effectivement, les Rwandais connaissent là où il faut toucher pour soulever la population contre le gouvernement. Et c'est ce qu'ils voulaient faire. Hein? Vous comprenez? C'est ce qu'ils voulaient faire. Et créer un incident. Et ils n'auraient rien. La population, pensez-vous qu'elle allait s'apprendre peut-être au Rwanda, tout ça? Ils sont en train de préparer tous les chaos. Oh, les Rwandais sont, c'est les Tutsis, ils sont tués ici. Oh, ils sont marginalisés, ils sont frappés chaque jour. Quel Tutsis on a frappé ici? C'est les Rwandais toujours qui jouent sur la fibre ethnique ici. Et on a compris que ce sont eux qui sont instigateurs de crises, même de tensions communautaires entre les ethnies ici. Ce sont eux qui en parlent chaque jour. Mais tout ça, ce sont des fibres ici, lesquelles ils veulent toucher pour créer des chaos et puis dire voilà, ils sont incapables. Malheureusement,
ils ont échoué. Et que donc, ça ne va pas passer. Demandons à notre population d'être sereine. Ils ne peuvent, même s'ils abattaient l'avion, ils n'allaient pas nous trouver sur ce piège-là. Nous sommes déjà sûrs que nous avons bien maté sur le plan politique et diplomatique. Et sur le plan même militaire, ils se sentent très coincés. D'accord. Oui. Dernière question. Zilamba, il y a quelques jours, Kinshasa a présenté des espions à Kinshasa, 4, mais selon les autorités, ces espions auraient en tout cas collaboré, bénéficié, auraient bénéficié donc l'appui, auraient alors collaboré avec certaines autorités, des officiers des FARDC, je ne sais pas, des politiciens, voilà, des grandes envergures, des opérateurs économiques, mais aussi les membres de la société civile. J'y reviens parce que vous êtes un cadre de la société civile. Qui sont ces gens-là? Non, effectivement, nous aussi on a appris comme vous qu'ils ont fréquenté déjà. Mais moi je doute qu'il y aurait quelqu'un de la société civile qui a été... Parce que vous êtes de la société civile. Non, je doute. Moi, je vous dis. Je doute qu'ils ont rencontré. Parce que ils se sont fait passer pour des humanitaires. Oui. Qui les a accrédités comme humanitaires? C'est un ministère qui est là. Vous comprenez? Alors, en tant qu'humanitaire, la société civile toujours a rencontré les humanitaires. C'est dans ce contexte-là qu'ils peuvent avoir rencontré les acteurs de la société civile. Et non pour participer à leur coup, de venir monter, faire un coup d'État ici, abattre les avions. Non, ça non. Il n'y a pas eu certains de Goma, par exemple, de société civile. Bon, on dit que l'autre là, ils ont des identités floues. Et ils ont des identités très floues. Ils disent ils sont tous des massistes. Bon, oui, ils ont dit ils sont tous des massistes. Je me demande. Ils sont passés par Goma. Non, bon, je me demande qu'est-ce que Massis a déjà fait avec nos gens ici d'à côté. En tout cas, les longues oreilles ici, ils ont toujours tendance à se faire passer. Tout le monde, c'est Massis. Mais qu'est-ce que Massis a déjà fait? Donc, ils ont dit, l'autre a dit qu'il est de Goma, il est colonel, si, il est de Goma. Il est originaire du on lui demande, il dit Massis toujours. Oh. Bon, on se demande, Massis, il va nous réserver quoi dans ce pays? Donc, ce sont des identités fausses qu'ils ont présentées, mais ils doivent être tous de l'autre côté. Et ils sont, côté où? Les Rwandais. D'ailleurs, un fils d'un général retraité a été présenté aussi parmi ces gens-là, avec des images en tenue. Et lui aussi, c'est un militaire actif l'armée de Kalakala là-bas. Donc, c'est désolé pour un voisin qui sera toujours dans des plans, toujours cité dans des plans sales. Hein? Ce n'est pas normal. Vous savez, ce que les dirigeants rwandais font aujourd'hui va toucher plus tard leurs habitants. Ils sont en train de faire à ce que d'autres peuples développent des esprits d'antipathie contre leur pays et contre leurs habitants. D'accord. Et ça, ils pourront en récolter s'ils ne veulent pas changer de comportement. Nous pensons que pour ce cas-là de Kinshasa, les enquêtes doivent se poursuivre et tout celui qui sera pris dans ces balivernes, il doit être sévèrement puni pour extirper ce comportement dans les têtes de certains citoyens. Merci. Et d'autres membres ou habitants de la région. Merci. Merci beaucoup, Placide, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous autant. Numéro de téléphone. Non, 097 plus 243, 97 63 10 259. Et meilleurs vœux à tous nos auditeurs, tous ceux qui vont nous suivre à travers Congo Live. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Je vous souhaite également meilleurs vœux à tous et à toutes.